Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog. Je suis à la bourre parce que je me suis rendormie après mon réveil. Donc là il est presque 9h et je pars à 9h15. Donc je vais manger, me préparer vite fait et je vous reprends juste avant de partir. Go. Bon, sur ce, avec cette coupe dégueulasse, je vais devoir y aller. Je suis giga en retard, je vais être en retard à l'école. Ça me saoule, bref, bye, à toutes. J'ai cours que le matin aussi donc j'arrive très tôt. Bisous. Voilà, il est 15h30, moi qui avais dit que j'allais rentrer tôt, finalement pas tant que ça, une copine m'a proposé d'aller déjeuner ensemble, du coup on allait manger diète. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait James Bun Cantine, c'était super bon. Moi j'ai pris un poulet curry coco, c'était dans du pain avec des carottes, du concombre, enfin en tout cas c'était très très bon. Je sais pas ce que c'était, c'est la première fois que je mangeais diète, mais c'était très bon, un peu épicé mais trop bon. J'ai pris un jus mangue, trop bon aussi, enfin bref c'était super, on a bien parlé, on a bien discuté, c'était super cool. Et là du coup moi je suis en week-end mais j'ai encore un peu de boulot aujourd'hui. Franchement je suis beaucoup plus cool qu'au début de semaine et que la semaine dernière surtout. Donc là voilà, j'ai quand même du boulot à faire mais voilà, je suis plus tranquille. Et je rentre comme la semaine dernière samedi matin sur Besançon. Voilà. L'un des sites que j'ai réalisé et se met en ligne samedi, du coup c'est un peu le rush. Enfin, de toute façon à chaque fois qu'un site va se mettre en ligne c'est un petit peu le rush, faut tout regarder que tout y ait pas de bug nulle part, et c'est possible qu'il y ait des bugs de toute façon le premier jour. Des fois on fait des trucs assez rapidement et puis on fait pas gaffe. C'est une bijouterie et horlogerie sur Besançon qui est du coup a lancé son site en ligne, et il y a plein de montres voilà de marques ou des bijoux de marques et tout. Et du coup pour le lancement il y a un code promo, du coup voilà je vous mets le site en barre d'infos, ça s'appelle linéor.fr. Je vous mettrai aussi Instagram, etc., etc. Si ça vous dit. C'est une marque avec qui je vais continuer de travailler dans le futur. Donc voilà, il y a un code promo, ça peut être cool. Pour les cadeaux, pour les fêtes, etc., ça peut toujours faire plaisir. Moi, je sais que j'ai des petites idées. Et du coup, voilà, je vais bosser là-dessus. Parce qu'à la dernière minute, il y a toujours 36 000 trucs. Bref, je pense avoir terminé sur le site. Bon, finalement, le site n'est pas encore en ligne. On a changé d'organisation, mais je vous le mets dès que possible en barre d'infos. Et là, je me suis dit que ça serait sympa parce que j'ai une story à faire pour Bourgeois. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent. Voilà, j'ai collaboré avec Bourgeois pour Instagram. Mais j'ai du coup des stories à faire. Donc je vais vous montrer l'envers du décor, comment je fais une story ici. Vous voyez que la lumière est pourrie, donc comment je m'organise. Donc bref, voilà, vous allez voir l'envers du décor du. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like ooh. Yo, vous allez bien? Pas aller le voir. They would be together. Plus de batterie dans le téléphone, super. J'espère qu'il va s'allumer assez vite. Sinon je viens de mettre la vidéo de vendredi sur en ligne. Je suis très ravie. Les premiers commentaires c'est ça te va pas du tout, c'est moche. Super. Moi clairement là je me suis habituée et j'adore, donc bon, donc ça me touche pas vraiment, mais c'est vrai que flemme quoi. Si tous les commentaires c'est t'es moche, t'es moche, t'es moche, ça va deux minutes quoi. De toute façon, on voudra vous y faire, je compte rester comme ça, voilà. Bon, je me suis démaquillée, mais le rouge à lèvres tient vraiment bien, j'arrive pas à l'enlever, donc bon. Bref, il est 20h15, je vais manger. Il me reste mon manger d'hier, c'est-à-dire du riz avec des lentilles et quelques haricots verts. Je vais mettre un peu de sauce tomate et voilà, le tour est joué. C'est un repas très simple. Bon, voici ma super bouillie, du riz, des haricots et des lentilles avec du fromage et de la sauce tomate. Voilà, petit repas de cantine encore une fois. Bon, ouais, là, ma frange en fait maintenant elle se met tout le temps droite, même quand je veux plus. Bref, j'ai fini de manger, je regarde le foot parce que j'aime bien ça. Et je vais préparer ma valise parce que la semaine dernière j'ai oublié d'emmener ma valise au train. Le lendemain matin, je suis partie sans ma valise, carrément, voilà. Donc là, je vais la préparer, la mettre bien en évidence pour que demain, je ne l'oublie pas. J'ai fait aussi ma vaisselle, préparé mon lit et je vais me mettre du vernis tranquille pour être un petit peu tranquillou demain, préparer mes petits ongles avec mes nouveaux vernis de chez Bourgeois, voilà, tranquillou. Mais voilà, là, je vais faire ma valise parce que faut pas que j'oublie demain parce que...
Ah oui, aussi pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous invite fortement à me suivre. Je raconte beaucoup de mes péripéties sur ce réseau. L'autre coup, je sais plus c'était quand, c'était dans la semaine, je me suis habillée trop bien, genre j'étais trop fière de moi. Mon petit chapeau, un petit pull et tout, mes cuissardes, talan talan, je sors dehors tranquille, machin, je marche, bam bam bam, et là je m'explose la gueule dans les escaliers du métro. Vraiment je me rétame comme une grosse merde. Et je comprends pas pourquoi. En plus c'était des escaliers bien longs, donc j'ai vraiment bien descendu sur le cul. Et quand je suis arrivée en bas, déjà j'avais un peu mal à la main parce que je me suis un peu brûlée. Bon là ça se voit plus, mais j'ai un peu encore des marques, vous voyez, un peu rouge, parce que j'ai essayé de me rattraper comme je pouvais. Et quand je me suis relevée, en fait j'ai remarqué que mes talons m'avaient lâché. En fait mes talons se sont cassés, les deux talons de mes cuissardes. Et du coup je me suis cassée la gueule en fait. Je vais vous montrer, là j'ai qu'une cuissarde, l'autre elle est à la poubelle parce que bon je vais pas la garder. Là vous voyez, il y a la cuissarde, il n'y a plus de talon et le talon est juste là. Je vais répondre à la question qui a été le plus demandée après. Est-ce que tu allais à l'école sans talons? Du coup, non. C'était, on va dire, à un quart de mon chemin. Donc, j'ai fait demi-tour. Donc, j'ai fait quand même un bout de Paris sans talons. Ça, je vous l'avoue. J'avais les deux petits carrés à ma main et puis mes chaussures sans talons. Je suis rentrée chez moi pour changer de chaussures. Et du coup, j'ai été en retard à l'école à cause de ça. Bref. Pour info, mes talons viennent de chez Rosegal. Je suis dégoûtée parce que franchement la commande Rosegal elle est en globalité plutôt pas trop mal. Et ces cuissardes étaient très belles, je les avais déjà portées quelques fois donc voilà. Mais c'était pas du tout solide. Pas ouf quoi, pas ouf. Déjà la honte, vraiment tout le monde a rigolé. J'étais vraiment pas bien et en plus je me suis vraiment fait mal. C'est un gros mot mais ça fait quand même pas du bien quoi. Parce que les escaliers des métros c'est vraiment très carré. Genre même le dos j'ai eu un peu mal. Enfin bref, toujours trop de péripéties avec moi. Voir un truc, en fait le vernis, la particularité en fait c'est que c'est vernis une seconde par ongle, en gros application facile, et ça c'est dû au pinceau parce que je les ai déjà, pas ceux-ci mais j'en avais déjà testé des pareils et le pinceau est hyper cool, c'est séchage en 50 secondes il y a écrit. Bon on va voir, je mettrai un minuteur et on verra bien si c'est sec en 50 secondes comme ils le promettent. Le pinceau comme promis est top. J'ai mis le minuteur, j'ai eu le temps de faire tous mes doigts en 59 secondes 14. Vous montre, hein. J'ai déjà fait un casse. On va regarder si le premier doigt est sec. Ah non, pas du tout. Enfin non, pas du tout. Genre, ça fait pas de trace quand je mets mon doigt et tout. Mais on sent que c'est pas tout à fait sec. Je pense qu'il faut... Là, on doit être à une minute et quelques. Je pense qu'il faut 3 minutes pour que ça sèche. Mais j'avoue qu'il est plutôt pas mal. Ça doit faire 5 minutes et là, c'est totalement sec. Enfin, vous voyez, genre... C'est sec quoi. Oula, mollo l'astico. Déjà on s'est pris un but, on va rester calme. Non franchement c'est assez rapide, c'est cool parce que moi en une seconde j'avais déjà foutu mes doigts partout dans mes vernis. Donc moi un vernis qui sèche vite c'est top. Il y a moins 20% à partir de 3 produits achetés et moins 30 à partir de 4 produits achetés. Je vous mets en bas les liens. Ce sont des liens d'affiliation, voilà. Comme ça vous savez tout. Bon je vais me reposer, il va être bientôt, il est 22h30. J'attends que le match se termine. Là pour l'instant on perd, c'est très dommage. Mais il reste pas beaucoup de temps. Donc je pense que c'est fichu. Et je vais vous dire au revoir. Je sais pas si ce vlog a été super cool mais sorry je vais. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.